ターのステージ内小島監督もいらっしゃっています。どんなビッグタイトルが揃ってるんでしょうか。メタルギアソリッドとかもあるのかな。ビッグマスターさん。Sur le stand Konami, c'est la technologie Kinect qui a été mise en avant. En revanche, il n'y avait aucun jeu utilisant le PlayStation Move. Tout d'abord, l'éditeur proposait Dance Evolution, la version « Je danse devant ma télé » de DDR. Plus que les pieds, il faudra désormais bouger les bras et effectuer des poses inscrites à l'écran, ce qui va considérablement changer le gameplay et qui ne va pas forcément plaire aux plus vieux fans de la licence. Notons que cette version Kinect intègre carrément l'image du joueur détourée dans l'écran. Vous pouvez trouver juste à côté un jeu de glisse jouable Kinect, Crossboard 7. Avec ses allures de produit bien familial, ce jeu vous demande, comme on pouvait s'en douter, de mimer les mouvements lors des courses. La nouveauté vient de la possibilité d'activer des bonus lorsque les gens qui sont dans la même pièce vous encouragent. Sur DS était présenté Zack to Orlando, Maboroshi no Yuenshi, un jeu d'aventure ressemblant un peu à Professeur Layton. Il s'agira donc de résoudre des énigmes à travers des mini-jeux, entrecoupés de cinématiques en animation traditionnelle. Un des plus gros titres du stand était Love Plus Plus sur DS. Cette suite de Love Plus, la simulation de Petit Ami qui avait réalisé des ventes colossales lors de sa sortie, propose au joueur d'emmener sa copine à la mer. Clou du spectacle, le voyage comprend une nuit à l'auberge où l'on pourra regarder sa douce et tendre en train de s'endormir. D'ailleurs, les otaks se pressaient autour du stand en brandissant leur DS afin de choper un peu de contenu exclusif. La dernière version de PES 2011, bientôt critiquée dans son 1%, était bien sûr présentée en version jouable. Cette nouvelle édition, dont le développement a profité de la participation de Lionel Messi, semble amorcer le renouveau de la licence. Konami annonce ainsi plus de 300 nouvelles animations, liées à un système de déplacement revu. Une refonte graphique majeure, au niveau de la modélisation des joueurs mais aussi des stades et terrains, une IA boostée à l'esprit collectif avec le nouveau système Team Vision 2.0, ou encore la présence jusque-là inédite de l'Europa League et de l'UEFA Champions League. Dans l'actualité des sorties imminentes, on trouve aussi sur le stand Konami le très attendu et visiblement excellent Castlevania Lords of Shadow. Développé par Mercury Steam et Kojima Productions, il était le jeu le plus mis en avant sur le stand, avec chaque jour une longue présentation menée par un Kojima détendu face à un public très nombreux. Les comédiens qui ont doublé les personnages du jeu rejoignant ensuite le réalisateur sur scène pour un talk show de plus d'une heure dans lequel on apprendra notamment que Kojima s'est réservé le rôle du teigneux petit Chupacabra. Dernière petite info dévoilée sur le stand, l'apparition en guest de Solid Snake dans Monster Hunter Portable. Castlevania se joue désormais à la sauce God of War, en mêlant beat the mall, plateforme et puzzle, tout en proposant une réalisation et une direction artistique à même de convaincre les plus réticents. Le joueur dirigerait Gabriel Belmont, membre de la Confrérie des Lumières, qui part à la recherche d'un masque susceptible de rendre la vie à sa bien-aimée, Marie, assassinée par des monstres. Tout comme l'expulsionni mettant en scène Kratos, le jeu proposera des combats contre des boss absolument énormes. Sachez que le jeu sera critiqué dans son 1% jeudi prochain. Voilà, donc aujourd'hui sur le stand de Konami, j'aurais bien voulu vous présenter Love++, la simulation de petite copine, mais il y a vraiment trop de monde. Donc à la place, on va faire Automedius, ça finit par Us aussi, c'est pareil. Donc Automedius, c'est ni une suite de Gradius, ni une suite de Parodius. C'est une nouvelle licence de Konami qui a vu le jour il y a à peu près 2 ans. Donc là, c'est un nouvel épisode qui s'appelle Automedius Excellent. Et donc il met en scène, donc on retrouve les vaisseaux de Gradius, donc Big Viper et tout, mais cette fois c'est des nanas qui conduisent.
Donc avec le caractère designer, c'est le même. C'est le même designer que Kairoro Gunso, donc avec des filles très pulpeuses, on va dire. Et donc c'est le Gradius, donc on retrouve les mêmes ennemis. Hop, avec ce truc au début, on chope les level up. Et il faut shooter le noyau, voilà. Et voilà. Alors au début, c'est très lent parce qu'il faut arriver à choper les trucs de les level up pour aller plus vite. Et la différence, c'est quand on se fait toucher, les filles elles font aïe aïe aïe, j'ai mal. Voilà. Alors je sais pas si vous avez vu le trailer des Cube, en fait, l'intro de ce jeu, quand elle est passée aux États-Unis, elle était censurée. Ils avaient mis des petits flous, des petites étoiles là sur les filles parce que ça gigotait trop. Et bon, là on est au Japon, donc quand l'intro passe sur l'écran géant, il n'y a pas de problème. Conclusion, bah c'est Gradius, quoi, c'est toujours la même chose, c'est juste Automedus avec des vaisseaux en plus. Enfin, c'est un nouvel épisode d'Automedus avec des filles en plus et des stages qui changent un petit peu, mais bon, c'est. C'est quand même réservé à un public déjà conquis, on va dire, c'est pas très grand public.